J5, il y a une petite île au milieu d'une rivière. Aujourd'hui, ça va vraiment être l'objectif. Ça va être de se rendre sur cette petite île. Alors, bien sûr, il y a de la route. Il y a beaucoup de route. Avec notre ami Merlin, l'épopée n'est pas finie. L'épopée ne fait que commencer. En tout cas, j'espère que vous kiffez toujours autant. Et si c'est le cas, vous n'oubliez pas le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et bien entendu, vous pouvez acheter le jeu moins cher sur G2A. Le petit lien est dans la description. Bien évidemment. Bah, toujours, bien évidemment. Ouais, bah, ça va être par là, Merlin. T'as vu, il y a des espèces. Tu les vois, les statues en haut, là? C'est quoi ça? Où ça? Ah ouais, là-bas, là-haut, ouais. Il y en a une là-bas, une là-bas, une là-bas. J'en vois trois, moi. Je regarde un petit peu. Ouais, faut qu'on se dirige plus par là, tu vois. Par là où je regarde, vers la troisième statue, en fait. Je sais pas s'il y a moyen de... Hop. Oh putain. T'es ça mort? Va, ça va, ça va. Non, non, je suis pas mort, mais je suis tombé. Oh, fais gaffe, fais gaffe. Il y a un mec. On va se faire ruiner, mon gars, je te le dis non, direct. On a des armes, poteau, on a des armes. Ouais, on a des armes, mais bon, regarde comment il est fait, le bonhomme. Tu le vois? Allez, vas-y, on y on va. On se le prend? Vas-y. Allez, on se le prend. Allez, voilà. Oh, ouais, vas-y, on le met mal, on le met mal. C'est bon. Nice, yes, bien joué. Oh, hey, on peut peut-être récupérer. Regarde, mon gars, il y a des trucs sur lui. T'as pris le harnais, toi? Ouais, je suis encombré à fond, là, mince. Je vais prendre le harnais intermédiaire aussi. Ouah, hey, c'est le harnais, hein. Le harnais, il pèse 17 kilos. Fais voir, toi. Ah ouais, t'es beau, putain. Ouais, t'es beau, quoi. T'es magnifique. Oh, fais gaffe, c'est quoi, ça? Oh, il y a un croco. Ouais, on va le mettre mal, hein, de toute façon. Oh, putain, il m'a mis mal, mon vieux. Ouais, pour l'instant, moi, je récupère rien dessus. Ouais, ouais, moi non plus. Je suis déjà encombré à fond, mon gars, mais laisse. La même. Bon, on profite de boire un petit coup, bien sûr, un petit rafraîchissement au bord de la rivière, hein, tranquillement. Okay. Ça va vite, en fait, regarde, hein, on n'est pas si loin que ça. Hein. Ah ouais? T'entends? Non. Écoute, ça va peut-être se mettre en route. Ah ouais? Ouais? Waouh! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu sais que des fois, il y a des cavernes à visiter, mon gars, t'as des mygales géantes et tout. Ah ouais, on va. Je vais me faire niquer, je vais me faire niquer. Et Merlin, t'as failli me tuer. Non. Comme ça, mais t'as failli me tuer. Dans ta tête. Tu m'as mis un coup quand même. Fais gaffe, tu te fais manger par les crocos, mon gars, là. Hein. Mais non, c'est dans ta tête. C'est pas toi? Non. Ah bah, c'est pas toi, mon gars. Il y a un gars qui vient de se faire bouffer par les crocos. Eh ben, ils me suivent. Putain, merde, merde. Je suis derrière toi, moi. Je te vois, t'es sur la colline, là. Tu vois, je suis au fond, là-bas. Tu me vois, je saute. C'est toi, là? C'est toi, là? Ah, sûrement. Ah non, c'est pas moi. Non, 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 c'est pas moi. Non, non. Attention, Merlin. Je vais me le faire. Attention, Merlin. Je crois que j'ai mis un headshot. Non. Oh putain, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Pousse-toi. Non, non, je vais le tuer. Voilà. Ouais, yes, GG. Bon, je vais prendre peut-être un peu de flèche quand même, mais je me suis mis pas trop mal. Hein. J'ai pas envie de trop m'encombrer. Oh, regarde. Eh, Merlin, on va pas aller là. Hein. Quoi? Bah regarde, t'as vu le bordel? On va se faire niquer en 2-2. Ouais, effectivement. Mais par contre, oh, fais gaffe, il y a un camp. Ouais, ouais. Tu vois, nous, faut qu'on aille à droite. Nous, c'est sur la droite. Donc, je sais pas si on passe par le camp ou quoi. Non, on va pas passer par le camp. Ouais. On est pas stuff comme des ouf pour l'instant. Oh, fais gaffe, tu te fais attaquer, mon gars. J'ai plus d'endurance, je peux pas t'aider. Qu'est-ce que tu veux, toi? Attends, là, vas-y, je t'aide, là. Attention. Oh, putain. C'était chaud, mon gars. Petite ellipse, Merlin a dû nous quitter subitement. Il a eu un petit empêchement, ça arrive. Donc du coup, on se retrouve seul face à la nature. Et je vais devoir accomplir cet objectif seul. Un homme, il est seul. La nature est si grande. Par contre, attendez, c'est où là? Ouais, c'est par ici. C'est tout droit. Donc, je crois que nous, on s'en va sur l'île là-bas. Ouais, c'est un truc de ouf. Il y a une statue là-bas. Hop, 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 hop. C'est quoi ça? Je vais m'équiper de mon bouclier ainsi que de mon épée en pierre. Et on va aller faire du sale, je pense. J'ai rien à becter ou quoi? Ah, j'ai rien. Bah, j'ai ça, mais c'est cru. J'ai des graines, ouais. J'ai une mouche, super. Ah, ouais, je vais aller loin avec une mouche, mon gars. Écoutez, je vais le laisser tranquille, lui, là. Je vais... Oh, putain. Non, non, eux, ils sont pacifiques. Je vais juste prendre les œufs. Il va peut-être être un peu moins pacifique sur le coup. Prends ça, suppôt de Satan, mon gars! Oh, je crois qu'il n'est pas content. Oh, il est pas content, mon gars. Et je l'ai chatouillé. J'ai rien fait avec mon arc. Nous sommes arrivés sur l'île. 17 jours de marche, 13 jours sans manger, 2 jours sans boire. Et ça commence à pleuvoir. Oh, mais qu'est-ce qu'il fout, lui, là-bas? Attendez. Ouais, comment qu'il a l'air chaud, lui. Je vais pas l'attaquer, t'as vu? Il est en train de se faire niquer ou quoi? Mais qui va gagner? Oh, putain, mais c'est un crocodile blanc. Il est pas comme les autres. Attendez. J'aide qui, là? J'aide le crocodile ou je vais aider le crocodile? Voilà. Par contre, maintenant, je vais niquer le crocodile. Ouh, détends-toi, mon gars. Tu te détends. Tu te calmes. Alors, putain, mais il est chaud, mon gars, lui. Mais c'est pas un croco, ça. C'est un dragon de Komodo. Vas-y, donne-moi tout ça. Voilà. Par contre, je vais être encombré dans 2 secondes, mon gars. Alors, qu'est-ce que t'as sur toi? Ouh, mais ça, ça me plaît, ça. Des petites bottines, ouais. Je vais juste mettre ça à la place de ça et ça à la place de ça. Oh là là, mais regardez ça.
Vous équipez d'une armure légère. Yes. Je suis tellement stylé, franchement. Tiens, viens, mon petit lapin. Viens, mon petit. Viens. Oui, mon petit. Oui, viens. Voilà. Je pense qu'on va se construire un feu de camp juste ici. Je ne sais pas si on va y passer la nuit. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour fabriquer un feu, au moins? Oui. On va mettre tout ça à cuire là-dedans, de la viande sauvage. Un mets si délicieux. Vas-y, je vais manger tout ça. Voilà, ça régène toujours de la vie. Écoutez, on va tout grailler, comme ça on régène un peu. J'ai vraiment oublié de faire un truc, c'est de... Voilà, ici. Ici j'ai ma paillasse, faut que je marque ma base ici. Voilà, je vais mettre que j'ai fait un camp juste ici. Je pense que par là on va être vraiment pas mal. On peut construire un petit abri de fortune par ici. On n'a pas assez de pierres, il faut que je fasse quelques fondations. Il me gêne ce micro là pour... voilà, je vois pas mes touches. Je pense qu'on va se fabriquer, voilà, quelques petites fondations. Regardez si on va pas être bien au bord de l'eau. Va me falloir encore de la pierre. Beaucoup de pierres. Bon, très bien les amis, 200 pierres, je pense que ça fera largement l'affaire pour construire les fondations. Encore faudrait-il que je retrouve ma base. Mais où est-ce qu'elle était? Ah yes, c'est bon, je la vois. Ouh, par contre, on a un camp juste là-bas. Ah non, je la vois pas. Absolument pas. J'ai trop halluciné, quoi. Yes, je viens de retrouver ma base. Enfin, du moins, mon petit bout de base. Ma plateforme flottante. Le coffre, c'est... Yes, je peux en faire un. Allez, vas-y, fais péter. Comme ça, on va pouvoir stocker quelques trucs. Ferraille, les branches, la fibre, tout ça, on stocke. Le feu, on va le poser juste ici. Oh, et regardez ça. Ça commence à faire jour. Mais c'est magnifique. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce que tu veux, mon gros? Il veut quand même pas me niquer, si? Attendez, bougez pas. Je vais mettre un coup de lance dans la gueule. Je pense que ça va le calmer 2 minutes. Le calmer, oui. Façon de parler, quoi. Ah si, ça le calme quand même. Voilà, ça l'a même bien calmé, en fait. Allez, viens ici, mon petit gars. On va poser une fondation juste ici. Est-ce qu'on peut faire quelques murs? Oui, fabriquer 13, ce sera même pas assez. Regardez-moi cette belle bâtisse qu'on est en train de construire. Il aurait fallu que je fasse une porte juste ici. Il nous faut encore de la pierre. Toujours de la pierre. Et bien après une longue séance de farm, on va enfin pouvoir continuer notre cocon. Bon bah voilà, j'y peux rien. 3 heures de farm pour monter les murs. Wouhou! Cette aventure va être folle et intense! Alors attendez voir, parce que j'ai gagné des niveaux là. Déjà, on va monter dans l'encombrement direct. Voilà, on met tous les points dans l'encombrement, comme ça c'est fait. On va débloquer charpentier et bien sûr forgeron, si on peut. Oh oui, on peut! Le tanneur, on débloque. Le chaudron à creuser, on débloque. Compagnon boucher, ouh, popo, on débloque. Ça y est, j'ai plus de points, mon gars. J'ai tout dépensé, j'ai tout niqué. Ça manquerait bien un petit peu de lumière là-dedans. Et que la lumière fût. Recette établie d'armurier. Ouh, popo, 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 popo. Écoutez, est-ce qu'on peut se le faire? C'est cher, très cher. 240 bières. Excusez-moi, je ne bois absolument pas de bière, c'est... Je sais pas, un petit lapsus comme ça, ça arrive. 240 pierres, 162 bois et 20 ficelles. J'ai peut-être soif. Bah écoutez, je pense qu'on va se faire... Ah, la table d'artisan, 40 bois. La table d'artisan déjà, on peut la faire. Ça c'est parfait. Et on va peut-être pouvoir même se faire l'établi d'armure... Non, certainement pas. Non, non, en fait. Ah ouais, établi de charpentier. Il nous faut 150 pierres. Par contre, putain, mais eux, ils me font vraiment chier, quoi. C'est dingue, ça. Ils veulent pas me laisser tranquille, mon gars. Je vais y sortir un combo dans sa gueule. Voilà, mon gars. Et en plus, j'ai rempli un objectif. J'ai utilisé un super combo. Par contre, je suis quasiment super mort, quoi. Réussir une fermeture de combo d'attaque puissante à l'aide d'une arme. C'est fait. Je disais donc qu'il nous fallait de la pierre. Putain, mais casse-toi, mon gars. Putain, et il va pas me lâcher. Je veux juste la pierre, mon gars, et je te laisse tranquille. Dégage, dégage. Oh putain, il m'a empoisonné. Il va pas me suivre quand même. Mais si. Il faudrait qu'on fasse un lit aussi, hein. Mais qu'est-ce qu'il fout chez moi? Alors toi, mon gars, tu l'auras voulu. Je vais le niquer. J'ai plus d'endurance. J'ai plus d'endurance, il va me niquer. Allez, dégage. Lâche-moi, s'il te plaît. Ouf. Comment que c'était chaud, mon gars?
Allez, on mange tout. Allez, on va se faire un petit lit. Ça fera un point de sauvegarde. Oh, on pourrait s'en faire un grand. Un lit double. Bah, je vais me faire un lit normal. Un petit lit en bois, tranquille. On a de la place, mais on va tout de même optimiser tout ça. On va mettre ça juste dans le coin. Ah, yes, un table de charpentier. Je pense qu'on se met pas trop mal. Est-ce qu'il y a moyen de bouger le coffre? Renvoyer à l'inventaire. Yes, comme ça, on va mettre juste à côté. Voilà. Le coffre au pied du lit. C'était comme ça dans le temps. Ils avaient toujours un petit coffre au pied du lit. Je sais pas pourquoi. Pour ranger leurs affaires, tout simplement, je pense. Combien coûte la forge? 540 pierres. C'est cher. Très cher. Eh bien, écoutez, on est parti pour pêcher aux 540 pierres. Et 540! Je pourrais tellement passer des heures à farmer dans cette jungle si ces crocodiles n'étaient pas là. Plutôt des dragons de Komodo, en fait. Oh non, dis-moi pas, vous m'attaquez pas à deux quand même, les gars. Vous oseriez pas! Faut que je pose une porte, quoi, parce que là, ça commence vraiment à craindre. Oui, ça commence à craindre! Est-ce que je peux désormais faire la forge? Je pense que oui. Ouh! Par contre, on a des petites cuirasses royales à se faire. Ah, on a carrément pas ce qu'il faut, mais on peut se les faire. Regardez tout mon farm qui part pour fabriquer un fourneau. C'est tellement triste. Et où est-ce que je vais bien pouvoir le mettre? Écoutez, on va le mettre là. De toute façon, ça, c'est une base provisoire. Eh ouais, on va faire que des bases provisoires, hein, Conan, de toute façon. Je vais construire des bases sur toute la map, mon vieux. Partout. Le bois dans la forge, ainsi que le fer. Et on va faire fondre tout ça. Mais je crois que le bois ne fait pas fondre la ferraille. Et si, ça me fait des lingots. Il me semblait qu'il fallait du charbon ou je sais plus. Oh, mais regardez-moi ça, c'est tellement magnifique. 6 lingots de fer. Et je peux vous dire qu'il va en falloir. Oh, mais attendez, mais j'avais pas vu, mais j'ai gagné des points, moi. J'ai 9 points à dépenser. Eh bien, écoutez, on va en mettre dans l'agilité, parce que c'est quand même important. On va en mettre dans la vitalité, parce que c'est quand même important également. Dans la précision, pour l'art, c'est important. Ah, ça, c'est pas mal. Ben, on va augmenter la survie. Porteur de torches, ça, c'est débloqué. On va débloquer tout ça. Ouais, ça peut être sympa, des petites décorations. Pourquoi pas? Oh, des petites tables et tout. Ouais, mais je prends tout ça. Des parchemins, bah bien sûr. Fabricant de meubles, bah pourquoi pas. Je viens de dépenser tous mes points. Comme ça, c'est fait. Je pense qu'il est l'heure pour moi de faire un gros dodo. Et il est temps pour nous de nous dire au revoir. On va se laisser sur cet épisode de Conan Exile. En tout cas, si vous a plu, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu. Ça me ferait extrêmement plaisir. Bien sûr, vous pouvez venir sur les réseaux. Tout est dans la description. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Et ciao tout le monde, bye bye.